Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de ce que j'ai colorié au mois de mai dernier. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup colorié au mois de mai dernier parce que, comme je vous disais dans la vidéo du Bégo Colo, le 1er mai, je me suis fait opérer aux deux yeux. Donc, j'ai eu une convalescence de un mois. J'ai pas colorié pendant 12 jours. Et après, j'ai quand même pu heureusement colorier un petit peu. Donc, j'étais très contente. Je vais vous présenter ce que j'ai colorié. Et en plus de ça, j'ai déménagé. Donc là, je suis dans mon nouvel appartement. Ça s'est bien passé. Pour l'instant, je vous filme ici. Et je verrai où ce que je vous filmerai plus tard. Ça risque de changer. Je suis dans le système débrouillardise présentement pour filmer. Donc, je suis désolée si la caméra elle bouge. Donc, voilà. Commençons. Au mois de mai, mon mari m'a offert le Mind Race Dutch Asian de Rita Bergman et je l'ai commencé. Lui, il m'a pris beaucoup de temps à faire parce que je coloriais un petit peu par petit peu selon mes yeux. Comment mes yeux allaient. Et j'ai fait les fleurs ici. Lui a été fait avec des Pablo, des Calo Macaron, des crayons studio, des RTX et des stylos gel. Et le fond, il a été fait à l'encre. Avec les inkpads. Attendez, je vais bouger un petit peu comme ça. Donc, c'est avec ça que j'ai fait ça avec l'encre. Donc, plusieurs sortes de crayons. Donc, voilà. Ensuite, je ne pensais pas pouvoir participer au collabac du mois de mai des plaisirs de la chaîne des plaisirs d'Argona. Et finalement, j'ai pu en faire juste une comme participation. Une, c'est mieux que rien. Donc, c'était la lettre K, fait pour Anna Carson, illustratrice, dans le Tales from the Midnight Masquerade. J'ai fait celui-là ici. Oh, excusez-moi. J'ai fait le masque. Donc, lui a été fait au crayon studio. Ça ici. Au crayon studio du Dollarama. Et, studio et de l'encre Genesee pour le fond. Donc, c'est un colossal pour mes yeux qui était bien pour ma convalescence. Donc, voilà. Comme ça-ci. Ensuite, je ne les ai pas montrés en ordre, là. En ordre de, comme je les ai fait, là. J'ai colorié dans mon derrière carcassin le adorable caractère pour mon bingo colo. J'ai fait les deux de ce livre-là. Ça ici, j'ai tenté un fond à l'encre et j'ai manqué mon coup. Mais savez-vous quoi? C'est tellement pas la fin du monde. Lui a été fait au RTX, si je ne me trompe pas. Lui, c'est le RTX. À l'encre Distress Impact. Ben, c'est pas l'encre Distress, c'est des l'encre Impact, comme je vous disais. Et au RTX, les crayons de couleur. Donc, voilà pour la demoiselle ici. Et lui a été fait au Pablo et Macaron Calour. Et le fond aussi avec de l'encre Inkpad. Donc, celui-là ici. Donc, j'ai au mois de mai. Au début du mois de mai, ma fille a vu à quel point ça me manquait de colorier. Donc, nous autres, la fête des mères était le 12 mai. Le 12 mai, elle est revenue avec ça. Elle m'a dit, « Maman, je t'ai acheté un livre de coloriage. » Elle m'a choisi un mandala avec des gros mandalas pour que ça soit correct, pour que je puisse colorier comme j'en avais envie avec mes yeux fraîchement opérés. Et pour vrai, la journée même, je pense que j'en ai fait 5. Donc, lui, tout était fait avec des feutres à alcool, des moraïques. Sauf un que j'ai utilisé, des feutres à l'eau. Et je vais vous montrer c'est lequel, vous allez voir. Je vous ai fait plein de traces, mais je vous les montre. Mais sachez, ça, c'était le livre parfait pour mes yeux fraîchement opérés.
Donc, attendez. Donc, je prenais 2-3 feuilles. Attendez. Je suis mal placée. Excusez-moi. Bon, là, ça va être mieux. Donc, feutre à alcool, quelques feutres, 2 couleurs ou 3 couleurs, simple. J'ai pas fait de fond. Celui-là, le feutre, il m'a lâché, mais c'est pas grave. Il a bavé un petit peu. Mais comme je vous dis, celui-là, il était feutre à eau. Et c'était parfait. Les petits, les tout petits avec les comme ça, je les ai pas faites encore. Donc ça ici. J'ai suivi l'exemple de mon ami Ice Angel. J'ai pris des feutres au hasard. Pour le faire. Et ça m'a détendu. C'était parfait. Parfait, parfait pour mes yeux. Et je me suis. Ça a compensé les 2 jours parce que j'ai pas colorié. Non plus, j'avais pas fait. Donc, je pense que c'est le dernier que j'ai fait. Non, c'est pas le dernier. J'avais fait lui. Donc, c'est ça. Ouais. C'était lui le dernier. Donc, j'avais fait tout ça ici. Donc, j'étais très contente de ce cadeau-là. Il était parfait pour moi. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai colorié dans le mois de mai 2024. Vous me direz en commentaire lequel vous avez plus aimé. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci de l'avoir écouté.